trop, veulent pas mal. Franchement, Max est en slip, hein, rien de... Moi, je suis un peu en débardeur aussi. En fait, on est en train de s'occuper du garage. Alors, quand je dis on est en train de s'occuper, on a fini de s'occuper du garage. Puisque ce matin... Alors, Marceau, il a la grande classe. Hein. En slip avec une boîte en caoutchouc. Ouais, il était beau, ouais. Du coup, ouais, on va aller faire un petit... Enfin, mon papa, pendant... Moi, je vais partir chez le coiffeur, là, en fait. Donc, mon papa va aller... On a fait la vaisselle avec mamie. Je vais essayer de prendre du recul pour que vous voyez mieux. Il va m'emmener tout ça à la déchetterie. Et le meuble que vous voyez, je ne peux pas vous le montrer s'il a, peut-être. Le meuble foncé, là, que vous voyez ici, il part aussi. En fait, le grand meuble. Donc, tout... Ça va me faire du vide dans le garage, ça va être terrible. Du coup, je vais pouvoir mieux organiser mon déménagement parce que je vais pouvoir mettre les cartons directement ici. Ça sera beaucoup plus pratique. Du coup, là, j'attends que mon papa sorte de la douche, en fait, pour aller moi-même me laver les cheveux. Me laver les dents et me maquiller un minimum pour avoir le rendu du chignon quand même. Et puis, il faut que j'aille faire quelques courses, donc je vais pas y aller. Et chez le coiffeur. En brut comme ça, avec des boutons, hein, soyons clairs. Et du coup, bah voilà, je vais après me faire... T'as des boutons? Ah ouais. Ouais, j'ai deux boutons aujourd'hui. Ah enfin non, j'en ai qu'un. Ça, c'est une c'est un petit vaisseau qui a éclaté. C'est pas un bouton, mais du coup, c'est une marque de peau quand même. Et ça se cache au fond de pain. Donc voilà. Hey, hey. Adam se lève. Il va être 10h hein, quand même. Ça va, mon père? Tu vas pouvoir aller prendre ton petit déjeuner. On t'a laissé un pain au chocolat. Et mamie dans la cuisine. Attends. Oh, drôle. Il se lève avec une tête enfarinée. Eh, on joue pas avec les ampoules, qu'est-ce que tu fais toi? Ça c'est quelle couleur? C'est transparent. Mais pose-les parce que papy il en a déjà cassé 3. Et oui. En fait, quand je suis arrivée ici, j'avais des ampoules, vous savez, les ampoules gratuites, là, les ampoules à économie d'énergie. Du coup, j'ai changé toutes les ampoules de la maison, j'ai mis mes ampoules à économie d'énergie. Et du coup, mon père vient me casser 3 ampoules que je devais remettre en place avant de partir. Comment ça, c'est quelle couleur? Ils m'en ont donné 3 là-bas, donc ça va. Mais c'est transparent les ampoules, mon cœur. Il n'y a pas de couleur. Donc voilà, bon, bah, sur ce, je vais m'activer parce que je dois bientôt partir. Et puis, bah, je vous montrerai mon chignon. Bon, ça y est, les amis, je suis rentrée de chez le coiffeur. Donc, je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le miroir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, je trouve ça trop joli avec la tresse là sur le côté. Je n'arrive pas à filmer en fait bien comme il faut. Mais franchement, ouais, je suis vraiment très très contente du résultat. C'est cool. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit effort de maquillage. Peut-être un peu d'eyeliner, du fard à paupières un petit peu. Et puis, je vais remettre un peu de spray parce qu'elle m'en a mis. Mais clairement, on voit trop les cheveux. Là, de ce côté-là, on voit pas trop. Elle m'en a mis, mais... on voit pas trop, mais ici, je trouve qu'on voit gravement, quoi. Donc, il faut vraiment que je couvre ça comme je le fais d'habitude. Voilà. Bon, ça y est, nous sommes partis. Il est 13h37. On est un peu en avance, hein, parce que... Alors, parce que, en fait, on est en avance parce qu'on est en avance. Mais du coup, on est déjà parti parce que on va faire une petite halte... dans un magasin pour voir si Eric peut se trouver une ceinture, peut-être une veste, qui sait. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mon chignon. Ma coiffure, franchement, au top. J'ai payé cher, hein, que les choses soient claires, mais au moins je suis contente du résultat. Donc très bien. Je vais essayer de me faire prendre en photo, n'est-ce pas? Non, je ne te filme pas si c'est ça que tu vérifies. Il a grand peur d'être sur la vidéo. Tu pourras me prendre en photo? Oui, merci. Mais t'as le droit de parler, hein, ta voix, t'inquiète. Tes sœurs, elles seront contentes de te voir, hein, si tu te montres. Hein. Tu vas faire une coucou à tes sœurs? Bon, bah, Émilie, Angélique, vous avez le bonjour de votre frère. Babette aussi, si tu nous regardes. Bon, on est parti. Je vous reprendrai plus tard. Oh là là, je suis secouée. Eric conduit, c'est le bateau qui tangue. Oh non, arrête! C'est ma voiture, fais attention. Bon, ben sur ce, on va aller faire la fête. Hein. Bon, et ben, comment vous dire que cette journée est productive?
On est allé chez Gémeaux. Du coup, Eric a trouvé veste, veste et ceinture. D'ailleurs, sa veste est vraiment très très belle. Et du coup, bah moi, je me suis trouvé des chaussures parce que les miennes, elles me tuaient les pieds. J'avais pris des ballerines pour ce soir au cas où. Mais même l'après-midi, là, ça allait être trop dur. Et en fait, j'ai trouvé des chaussures. Alors, je ne sais pas si je peux les montrer. Voilà, elles sont... Alors, normalement, il y a un tag ici. Donc, je vais la boîte, mais pas rien. Voilà. Elles sont trop canon. Et je suis hyper bien dedans. Pour passer l'après-midi, ça va être trop top. Hello les amis. Bon, je vous reprends avec des yeux de panda, je suis désolée. Il est 23h30 en fait, nous sommes dimanche soir. Et du coup, bah, j'ai passé le week-end au mariage évidemment. Mais en fait, avant de clôturer le vlog, je voulais vous montrer quand même le travail que mon papa avait fait dans mon garage. Voilà, il n'y a plus les meubles et tout est rangé. Bon, le rangement c'est moi, hein. Mais tout ce qui a été dégagé, ça c'est mes cartons pour déménager. Tout ce qui a été dégagé, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est mon papa qui l'a fait. Et ensuite, moi, j'ai rangé. Et clairement, là, je vais essayer demain de vider cette étagère, de mettre tout en carton. Et ensuite, je descendrai mon sèche-linge à côté de la machine. Parce que je dois refixer où est-elle cette étagère là, hein, que vous voyez ici. Cette étagère là, en fait, je dois la refixer au-dessus de la machine puisque quand on est arrivé, elle était fixée sur le mur. Donc voilà, ça va être mon programme de demain. Bon, je suis désolée, hein, je vous prends vraiment avec une tête ce soir, c'est un peu atroce. J'ai enlevé mes bijoux, j'ai pas enlevé mon maquillage, mais on ne voit plus beaucoup, j'avoue. Mais voilà, on a eu un week-end fou, dis donc. On a vraiment passé un super week-end. Le mariage, c'était génial. Caroline, elle était waouh, quoi. Ça fait bizarre, en fait, quand on a l'habitude de voir les gens, de les voir comme ça en mariée. Ça fait toujours un effet waouh. Et là, il y avait vraiment l'effet waouh. C'était vraiment un très, très beau mariage. Les enfants, ils avaient l'air tellement heureux de voir... alors, je ne vais pas dire leurs parents, parce que pour le petit dernier, c'est ses parents. Par contre, pour les trois premiers, ce sont les enfants de Caro, mais ils étaient tellement contents de marier leur maman. C'était un mariage plein d'amour. C'était vraiment top. On s'est bien amusés, on a bien mangé. C'était chouette, vraiment. Du coup, on est rentré pas trop tard. On est rentré à 2h du matin. Enfin, on s'est couché à 2h du matin. Ce matin, on a été réveillés, enfin moi, j'ai été réveillée à 8h30, je me suis levée à 9h moins le quart. On a passé la matinée à se préparer concrètement, enfin, on a retrouvé un petit peu les enfants, on était contents, donc on a passé un petit peu de temps avec les enfants, on s'est préparé, on est reparti. Là, mes parents partent demain matin. Ils partent parce qu'en fait, ils sont invités en Vendée chez une cousine de ma maman. Et du coup, c'était prévu depuis un moment, ils devaient aller manger ensemble. Et puis, finalement, ils reviendront après. Donc là, ils y vont demain. Alors, ils partent demain matin vers 8h30, 9h, m'a dit ma maman. Ils y passent la journée, ils dorment là-bas demain soir et ils reviendront mardi dans la journée. Et moi, je vais garder leur chienne, en fait, Eden. Eden, c'est un petit labrador, non. Non, c'est un beau labrador, je vais vous la montrer. C'est le bordel, j'ai pas encore nettoyé, débarrassé la table et tout ça. Voilà, je vous présente Eden qui dort. Elle est trop cool cette chienne. En fait, elle est là, mais elle n'est pas là. C'est un chien d'appartement. C'est incroyable pour un gros chien comme ça. C'est vraiment incroyable, mais c'est vraiment un chien d'appartement. Elle est là, mais on ne la voit pas. Sauf quand on est à table. Elle tourne autour, enfin, elle vient pas jusqu'à poser son museau sur notre cuisse ou à essayer de piquer sur la table, mais elle est toujours autour, elle tourne, mais assez loin quand même, donc moi ça me dérange pas, enfin, franchement elle me dérange pas du tout. Donc là demain je vais la garder, enfin, elle va rester avec nous. Ma maman n'osait même pas me le demander, mais
mais ça me dérange absolument pas, quoi. En fait, ils étaient gênés parce que comme moi, j'ai pas de jardin, ça veut dire qu'il faut la sortir, en fait. Il faut l'emmener promener le matin, le midi et le soir. Et ben, on ira la promener le matin, le midi et le soir, c'est pas un souci du tout. Donc, non, non, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, on va garder Eden, donc demain et... Demain est mardi. Et puis ensuite, mes parents reviendront. Là, j'ai reçu un mail me disant que ça y est, les services d'électricité sont ouverts dans la maison. Donc ça, c'est trop cool parce que j'avais peur en fait que ce soit pas le cas. Et je me suis dit, si jamais mardi, pendant l'activité de peinture, on a besoin, je ne sais pas pourquoi, mais si on avait besoin de brancher un appareil électrique ou d'allumer une lumière ou quoi que ce soit, ben, on ne pouvait pas en fait parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Or là, j'ai l'électricité, donc déjà je vais pouvoir allumer dans le garage parce que le garage est très très sombre. Il fallait ouvrir la porte, en fait, la porte extérieure du garage pour pouvoir voir à l'intérieur, c'était pas très pratique. Donc là en l'occurrence, c'est bon, tout devrait être opérationnel. Donc ma journée de demain, bah, ça va être ça. Ça va être, on va aller vérifier que le compteur est actif. S'il est actif, bah, du coup j'en profiterai pour passer l'aspirateur demain, comme ça ce sera fait. Et puis je préparerai un petit peu voilà ce qu'il faut pour faire la peinture. Et puis comme ça, il n'y aura plus qu'à mardi matin. Donc bah, ça va être un petit peu l'activité de ma semaine, là, la peinture. Je vais faire quasiment que ça tous les jours. Donc, mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, parce que du coup, je vais avoir une maison, j'espère, au top. Demain, j'ai prévu, donc avant d'aller à la maison, de faire ranger la chambre aux enfants. Et on va faire les cartons définitivement dans leur chambre. On va les descendre dans le garage, comme ça ce sera fait. De toute façon, je vais essayer de descendre le maximum de choses dans le garage. Comme ça, bah, tout sera prêt à partir pour samedi matin. Après, je pense, on verra, mais je pense qu'avec mon papa, on pourrait faire un premier voyage vendredi soir avec bah, la majorité des cartons en fait, qu'on pourrait mettre dans sa remorque et puis on emmènerait la remorque là-bas et on s'en occupera plus tard. On fera ça samedi ou même moi dans le week-end. On aura juste à la vider et après moi les cartons, on les met dans la maison et puis je les déballerai au fur et à mesure. Mais comme ça au moins, comme on n'a pas beaucoup de véhicules pour samedi matin, et ben au moins je suis sûre que tout ce que j'ai pourra rentrer dans le camion. Le camion est assez grand quand même, hein, mais bon, après, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que en général, quand ils déménagent, franchement, c'est hyper efficace. Donc voilà. Et bien sur ce, les amis, je voudrais, mais réellement. Mais réellement et très sincèrement, et là, enfin, j'ai pas les yeux qui se baladent, hein, je m'adresse vraiment à vous tous qui me regardez, qui me suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne et vous imaginez pas à quel point c'est du bonheur pour moi, c'est motivant, c'est vraiment. Oh ouais, vous pouvez pas avoir conscience de ce que ça représente, même les enfants. Tous les jours, ils me demandent, t'as combien d'abonnés? Et pour être honnête, il y a encore 4 jours, j'avais 82 abonnés. Et aujourd'hui, j'étais là tout à l'heure, j'ai regardé tout à l'heure, j'avais 473 abonnés. C'est juste de la folie, en fait. Et je pense avoir compris pourquoi. Parce qu'en fait, le fait d'avoir mentionné la Poi Family dans le titre de la vidéo sur laquelle j'ai parlé d'eux, bah, du coup, elle est apparue plus facilement dans les moteurs de recherche pour les personnes qui cherchaient la Poi Family, en fait. Et donc, bah, forcément, j'ai eu beaucoup de vues. J'ai quand même eu 16 000 vues, enfin, sur cette vidéo. Jamais j'aurais imaginé ça. Jamais. Et bah,
forcément, vu qu'il y a eu 16 000 vues dessus, il y a eu plus de 100 commentaires de laissés. Ben en fait, c'est une vidéo qui est revenue plus régulièrement en tête, finalement. Et donc, elle a été vue par énormément de monde. Ma chaîne a été vue par énormément de monde. Et vous êtes tellement, mais tellement nombreux à m'avoir laissé des commentaires pour me dire que vous étiez tombés sur ma chaîne par hasard et que vous me trouviez sympathique. Mais c'est vraiment super agréable à entendre, hein, réellement. Hein. Parce que, enfin voilà, je suis une petite personne qui démarre de rien et je viens partager mon quotidien avec vous. Il y a forcément des gens que ça n'intéresse pas et qui trouvent ça nul, mais de savoir que ça intéresse des gens, bah, c'est vraiment super. C'est super touchant et c'est vraiment motivant, quoi. On a envie de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de continuer, j'ai envie de vous en apporter plus. On m'a même demandé en commentaire de faire une vidéo sur les méthodes d'éducation que j'applique à la maison. Par rapport au fait que j'avais fait une vidéo sur l'éducation bienveillante. Mais il n'y a aucun problème. Je vais vous préparer ça même cette semaine parce que j'ai envie de prendre le temps de le faire. Et je vais vous mettre ça en ligne cette semaine. Alors, je la préparerai peut-être cette semaine et je me dis que du coup, peut-être que je la mettrai en ligne lundi prochain vu que je ne vlog pas le dimanche habituellement. Là, c'est exceptionnel cette semaine où il va y avoir une vidéo le lundi, mais normalement, il n'y en a pas. Mais du coup, là, ça serait l'occasion d'avoir une vidéo pour un lundi. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. D'ailleurs, peut-être que le lundi, à présent, je pourrais vous poster des story time pour faire des face cam, quoi, pour traiter de certains sujets. Donc, si vous avez des idées, que vous voulez, si vous voulez mon avis sur certains thèmes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et c'est avec grand plaisir que j'aborderai ces sujets et que je vous donnerai mon avis sur ces thèmes-là. Voilà, donc en l'occurrence, il va y avoir une vidéo sur l'éducation bienveillante que moi j'ai appliquée dans mon foyer. Attention, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne vais pas vous faire une thèse hein, sur l'éducation bienveillante, mais en tout cas, je peux vous faire un retour sur ce que moi j'ai trouvé dans les manuels que j'ai pu étudier, et puis ce que j'ai appliqué chez moi, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et comme ça, bah, si ça peut servir à certaines personnes, la personne qui me l'a demandé en l'occurrence semble avoir besoin de conseils et d'astuces en fait. Donc c'est avec grand plaisir que je traiterai ce sujet. Donc si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les soumettre. C'est avec grand plaisir que je vous donnerai mon avis sur la question. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous remercier d'être aussi nombreux. Parce que 473 abonnés, surtout en 4 jours... c'était juste inespéré pour moi parce que je voyais bien que voilà, je prenais un voire deux abonnés par semaine et je me suis dit bon bah voilà, cette chaîne elle décollera jamais, mais c'est pas grave, je le fais pour le plaisir et tant que j'y prends du plaisir, j'ai aucune raison d'arrêter. Voilà, même si effectivement le but premier c'était effectivement de devenir influenceuse et j'y travaille via mon Instagram en fait plus que sur YouTube, mais c'était le but premier, effectivement, c'était de devenir influenceuse et de pouvoir en vivre surtout. Donc bah là, clairement, vous imaginez pas à quel point ça m'aide, hein, le fait que vous abonniez tous à ma chaîne, puis vos retours hyper positifs. J'ai eu des négatifs aussi, hein, bon, faut pas s'emballer non plus, mais en même temps, c'est normal. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit, et forcément, tout le monde ne peut pas aimer ce que je fais, donc c'est la normalité des choses. Voilà, mais en tout cas, sachez que tous vos messages, tous vos commentaires, j'ai même une abonnée qui m'a carrément laissé un message sur Insta pour venir se présenter, me dire qu'elle venait de découvrir la chaîne, qu'elle l'avait trouvée très sympathique, qu'elle me trouvait sympathique et que... Et en gros, enfin, elle est venue se présenter sur Insta, mais j'ai trouvé ça super. Alors, si ça vous tente, n'hésitez pas. Moi, j'adore ça, discuter avec les gens. Donc, vraiment, c'est avec grand plaisir. Et en tout cas, même sans vous présenter sur Insta, honnêtement, tous vos likes et vos messages en commentaire, mais c'est juste... c'est du bonheur, quoi. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous remercie. Tous, pas seulement les nouveaux abonnés, mais tous de me suivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est super important pour moi
parce que ça me permet d'avoir un retour sur ce que je fais, positif ou négatif, c'est très productif. Donc, n'hésitez pas à liker, continuez à vous abonner et c'est que du bonheur pour moi. Merci, merci, merci. Gros, gros, gros bisous. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. À très vite.